Tepeli kaka, bisonyo zito kufa, mutuwa tika la tepo, tozo mwono lukolo ndireleti, haya lukute leki. Maya misho ezame, mwala le lagate, basi na motema. Reponsa kupesa biso ezali kaka, yondo kubungisa mboko yo. Poto tomo na mboka ango, banda, eleksyo esalama. Likambo moko ya malamu, ezate. President oya zo bukondi, soki azalaka president, soki azalaka nanyo, toyebite. Ero chikali ezaka bacha mura na fa de se baya ba baksama awa o tous les sorts ya ba voler baza awa ba che ba ngo ara ka ho pa ngaba te fo na ne ya to tanga bula fufu to homo le ya to to nda ti Merci beaucoup, Mardi Malamu, Nabino Nyonso et Sika Bozali, Mardi Malamu, Naba Congolais, Prix de paix, Ba Congolais à Motema Molamu, Ba Congolais à Motema Mabe, Ba Tunyonso, Balinga Kambo Kaoyo, Mardi Malamu, Nabango Nyonso, To Banziete, Nzambe, Abakoko Nabiso, Nzambe, Akimbangu, Abate Libino, Boutu Aleloyo, Alamusibino Penantongo, Aleloyo, Tika Ete Nzambe Wana, Oyo mundela kutaka na mboka oyo yamba kwisa soki degoka de couvert la mouchou du fleuve Congo nzamba bakoko anande abate la binu apesa binu makasi bwani ape maele tolinga mboka oyo to sala bolamu pona mboka oyo to loba bolamu pona mboka oyo ekozala likambo moko malamu nanyangwalo bakiete inspection générale des finances bakoki ko contrôler yango te. Nanyango alobaki ete na kati inspection générale des finances bato nyonso baza kuna baza basantu nanyango alobaki makambo wana nanyango alobaki te bango bawe kokoya na mbeba te nanyango alobaki yango mboka ya masolo ya mosolo okuta lisolo ya kobunga ya mosolo koleka lisolo ya botongi ya ba entreprise privé comme public okoka plus bato bayi mosolo okoka plus bato bazwi mosolo koleka bato oyo ya kusa la pe ko créer ba emploi to pe sibino mbote pe makasi IGF les contrôleurs contrôlés IGF les contrôleurs accusés IGF source pe ba problème l'enquêteur transformé en consultant payé na ba facture moko oyo yo sala kaka mboka pasi les solo wana plateau spécial mokolo ya lobby mercredi 17 juillet, pour ça la plateau spécial, les contrôleurs contrôlés et l'enquêteur transformé en consultant. Tourbet à l'issonango, mon collègue, allo bim. Mon amoka Daniel Bumba, après ma révélation, yandeko Yves Bouya, ou yaloba qui était Daniel Bumba, tiki ba bureau hôtel de ville, a préféré na Hilton Hôtel et Siko Wapi, azo sala mosala. Il kambawe panzana givu ya lobiango to yambake ya vendredi awa bo bande ko botinda giba message et lobami pe na plateau belé mais révélation c'est-à-dire Yves Bouya mokola lobby Daniel Bumba kende ko visiter ba bureau et hôtel de ville mais visite na ye bande ko belé ba moniango malamu te notamment Mike Mukeba iko so azana na prison makala ba moniango malamu te pourquoi parce que Mike Mukeba ya commis clonage des gouverneurs incompétents à tête de la ville de Kinshasa, d'André Kimbuta à Jantini Ngobila jusqu'à Daniel Bumba. Apparemment le pire de l'espèce, les images repoussantes que Bumba montre pour justifier la délocalisation de ses activités de gouverneur dans un hôtel UP de la capitale sont celles de l'ancien bâtiment de l'hôtel de ville. La nouvelle bâtisse réunit toutes les conditions pour accueillir son locataire dans la décence et le confort. Mike Mukeba Inkoso. Francis Béa Kende Lango, nakati ya vidéo. Vidéo wane za soni. Biloko wana batiki na mituni. Eza ya solo. Mais pour la député provincial honoraire, Mike Mukebayi, alubi Daniel Bumba Kende na batima ya kala. Batimo ba sale la kalisu soute. Antino ya koti na batima ya sika. Mais ya balu kende na batima ya kala. Ne kota yota na batoilette. Po batima ya sika. Rogi na oko sala mosala. Mais oh, tozo mwana ka image la nou ya batima ya sika. Bâtiment, si vous avez un salaire, vous avez un travail pour le maranango. Mais l'image, selon Mukebayi, vous avez un bimbi, vous avez un bateau, vous avez une image de bâtiment à Kala. Avec Mukebayi, vous avez une image de Makanis, vous avez une idée de l'idée 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 de l'
se justifier par rapport à la délocalisation, il y a un bureau. Est-ce que l'idée est en gros? Voilà, mon tour là, tout ça, remis tout. Mais monsieur le gouverneur, image aux amis, partie à réponse. Nayo, parce que par préoccupation, la journaliste, c'est là qu'il a été délocalisé. Mais c'est là qu'il n'a ni à son fouta, le bureau aux salles de l'hôtel Hilton. N'a ni à son fouta. Oh, la petite piste, le bureau hôtel de ville, oui, ton dimi. Ce qu'on y a mis ça, biso. N'a ni à son fouta, le bureau, ce qui est hôtel de ville, libéré dans les anini. Vous en foutez en nengenini. Vous en foutez en anambonga vignette. Vous en foutez en 500 francs et transport. Vous en foutez en nengeni. Tous vous en mosson en eux. La fin du mois, quoi, gouverneur, ne vous foutez la hôtel ou en a. Pas bureau de salle l'hôtel, il tonne. Motouna en guana. Et pourquoi cela qui en a mboté au banda moussala? Pourquoi cela y a mboté deux jours après qu'on a pour fonction au la disabus hôtel de ville n'est commis? Les amis, tout n'a pas de bazo zela, oui, mais ça n'a pas de son maître, tongo bilapé. Je n'ai pas de bazar à mon plateau, tongo bilapé, et tawana. Tongo bilapé, et tawana. Oui, mais dans la comprenne la cabinote. Mais évitez, bah, qui n'a pas de mon gouverneur, sortango bilapé, l'ancien gouverneur, on gobila. Ce possible mon aïe, l'ibanda va fonction. C'est un homme élégant, c'est un homme beau. Un homme toujours bien habillé, à sa canasson, à parfum qui toco, à sa canasson, ça veut dire, tonton Ngobila, tu sais, je vais avoir avec les cyprès, mais ça, il peut éviter Ngobila, c'est un homme élégant, bien habillé, après, t'as vu que ma soeur, ma chaussure à chair à l'attaque, ma Weston, naïe, mais nini, nini, ma collaborateur, ma rose à la zongo, le rôle à zongo, à la tozo mona. Le voilà Oyo. Attends, on a un bâtiment à Kalaton Dimi, mais n'est-ce pas pourquoi c'est une image à boyer. Même Nanda Kounaye, qu'on les raté. N'est-ce pas pourquoi c'est un tonton Gobila, Yomoko. Il y a un monde qui me boude à tigre la vie. Un homme beau, élégant, bien habillé, toujours bien habillé. Attends, j'y mets un seul à 1500, 2000 dollars. Bon, fin, on a raté. Il y a un environnement à Moussala. Dans Moussala, est-ce que ma yelle est née Kobima? Je suis en Yangwana, je suis en Belango. Mais Daniel Bumba, je suis en Zélaïe, monsieur le gouverneur, il explique que mon solo est en Wapi. Je suis en Yango. Kinshasa, je suis en Belango, je suis en Mboka. Je vois ma copie sa valeur dans mon gamba. Les gambas, ils dépèsent. Je suis en Belango, je suis il dépèse, bon, tu as la yango, tu as la yango, tu as tota la soki, et yen angambo ninim, soki, va communiquer à CDP, ezo prêter confusion, te, bon, tu as la yango, tu as la yango, tu as la yango, tu as la yango. Bah, mon bon, tu as un activisme, tu as un bah, si n'a qu'un accord de paix, mon liboso, mon compte en boca, ma chef, tu m'as vendu, bah, yokani. Les bossa mon compte avoca to tiki ma be sile sile mais ba zongeli yango ba so ba mon da ko sala ba comme da ko kufa VPM ya intérieur et VPM ya défense plutôt a kendaki côté kuna VPM ma défense ça côté kuna pour na ko s'enquérir un peu la situation motune zali est-ce que toza a mesure te ya ko maîtriser ba situation ko la ba mobondo biso Congo to funda motute est-ce que toza a mesure te ya ko maîtriser ba situation ko la ba mobondo oyo. La situation de Rola Bamobondo. Poète. Et ça, c'est un peu comme ça, mais la porte à Kinshasa. Est-ce que tu as mesure de éradiquer une fois pour toutes? Tu as un peu de temps dans le plateau, dans le Belango. Tu as un peu de temps dans le bas, 1 minute 30, 1 minute 30. L'IGEV, les contrôleurs contrôlés. IGEV, les enquêteurs convertis en consultants. IGEV, les saints. Ou les non-saints, IGEV, 150 000, est-ce pour les trois inspecteurs, ou 150 000 par inspecteur, 750 000, 1 million, c'est l'autre qui est sous IGEV, mais l'autre qui n'a pas de dossier spécial, ça n'a pas de kambango. Mais pas de banga pété, pas de banga pété. Les autres vous diront qu'avec Kabila, détourner mes bandes, vous voyez, banaté aujourd'hui quand même, détourner ce qui va faire toujours quand il y a un gamiibi. Et quand Kabila a un gamiibi, tu as un gamiibi, tu as un tant qu'on a dit que la faculté de droit, il y a une facile, on a dit que la faculté de droit a commis des missions, elle a fait un cahier, elle a commis des missions, elle a fait un cahier, des missions, elle a fait un cahier, 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 elle a fait un cahier,
Soma bende miyibi ya Kongo mbongo zonga kate. Miyibi ya Kongo mbongo zonga kate. Muyibi moko tata zongi sambongo. Muyibi ya ta moko te. Memba oba siba kondana bango ba yiba. Azongi sambongo. Pona nini? Po politike salaka musala koleka droa. Topo droa. To lali justice. To lali sango pongi. Eko la mga juro toko linga. Jise la mga mingi. O kofi. Maselo bat mususu nga ite. Oka jise la mugi kofi. Oka jise la mugi Emmanuel po atonga ki. Mais quand on a ça, bien. Mais si on a un et si dossier est bon, comment on a un ministre, on a le bagage à la cabine de la politique. Et il y a un bagage. Il y a venir là-bas, na biso mais le dossier qui est là, je vais comment tu sais que dis à mon aîné, comment on a pendu, tu sais que 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 tu président de la République. Ah! Bino! Bino, est-ce que ceux qui sont venus du FCC, ma baby-cité est union sacrée. Ceux qui sont venus du FCC, est-ce que ma baby-cité est union sacrée? Toi, exempté, mon tout est, toi, le monde, tu es tout le FCC, tu es tout le monde, tu es tout le monde, tu es Jean-Pierre Liaou, tu es tout le ministre, comment ça va, Guy Luando, tu es tout. Moi, je suis dans la FCC, je suis dans l'opposition. Je suis dans la tombe. Est-ce que ma baby cité les deux unions sacrées? Est-ce que les deux. Julien Paloukou. 12 ans gouverneur, Julien Paloukou. 12 ans gouverneur. Qu'est-ce qui a changé à lui? La plateau, la mission, tout ça, plus Romain Roland. Bande de Kobogodlin, plus Romain Roland. L'ingala moi passe. L'ingala moi passe. Je rêve qu'il y a l'équipe plus Romain Roland dans le Balingala. Déjà, il y a débit. Na 2003, Joseph Kabila a la phrase Moro Kabila. Je vois jour à Eric Leng. Eric Leng est tout le cas. Moi, Joseph Kabila va rabattre à Kin, Boza la calme, situation, ça est là, ma boc. Même cette phrase-là, plus Romain, la maîtrise d'un côté. Joseph Kabila va rabattre à Kin, Boza la calme, situation, ça est là, ma boc. Qu'est-ce que ça a à Kaboul ou moi à Kaboul? Joseph Kabila est Sikazali, parce que le Kabal, on l'a ignoré. Maintenant, comme ça, débat, est-ce qu'il faut que la sénateur a vu ou pas, à ce moment, on a raté, Bandekou. Tout ça a débatté pour le Moutoumongo et ses tout. Lobby, fait tirer dans la sénateur à vie, n'est pas obligé à regarder la sénateur chaque jour. Il va créer un brage dans le président Rosalawana et le Sénat. Il va créer un brage dans Mme Stoling à l'Oroanate. Mais dans la équipe de la Sénat, Mokolangoana va se mettre à l'histoire de Mbongo, Mbongo, Naye, Savo, Fouba, Kozulae. Ah! Laisse mon bon cas de la gata de la part d'accord à Joseph Kabila. Non, il faut cela. Moutarangi Pramon, Joseph Kabila, c'est la commune d'Ada. Jeannette Kabila, Moutarangi Pramon, le bon cas de la gata de la part, ne faut cela. La Sénat est encore un cas. Mais vous comprenez que la salle avait les mains. Joseph Kabila a fait un bon petit débat. Il a fait un bon débat. Il a fait un bon débat. Si vous voulez la preuve, vous avez la preuve. Azouaka. Vous avez la preuve. Vous avez la preuve. Vous avez la preuve. Vous avez la preuve. La preuve. Merci, merci beaucoup, chers confrères. Je m'excuse auprès des téléspectateurs. Kabila ne touche pas l'argent comme tu le dis, c'est faux. Ah, ouais. Moi-même j'étais au Sénat, j'étais à la question. Pourquoi vous voulez que c'est un débat? Il touche l'argent. Attends, je vais vous donner des preuves. Bandeko, le NGA, la semaine prochaine, on va relever ma preuve. Il y a un bon Kabila sur la Sénat. Non, si c'est en tant que sénateur. En tant que sénateur, non? Oui, si c'est en tant que sénateur, s'il a son argent, il est sénateur. Ah. Mais là, on parle de. En tant moi, je parle en tant que sénateur. Ok, s'il est en tant que sénateur, si tu as les éléments de preuve qui touchent son argent, c'est son argent. Il est sénateur, c'est un statut honorifique. Bon, laissez-moi aussi saluer mon ami et frère Emmanuel Tshibambe, que j'ai débattu avec lui il y a longtemps. Et aussi saluer le travail qu'abat un groupe de gens au sein du PPRD. Le PPRD est en train de se redynamiser à travers toute la fédération sous la coordination de Chadari, qui est ton oncle d'ailleurs. Non, il n'est pas mon oncle, il est mon frère. C'est ton frère, voilà. D'Emmanuel Chadari, Ferdinand Kambere, Lucien Kasongo, Dunia Kilanga, Maria Kizumu, Marcel, Jean-Serge Tubin, Claude Machala, Marie-Claire Tchombe, Tuturoba, Aristote Ngarimé, tout ce monde-là qui abat un grand travail au sein du PPRD puisque les adhésions sont massives. J'ai couvert les jeudis une très grande activité d'adhésion de plus de 5000 jeunes qui sont venus au PPRD et au sein de la fédération du PPRD au Katanga avec Jules Ponga et aussi à la Tchopo, dans le Sud Kivu, Nord Kivu, Bazouélé, Ituri,
Maniema, le Kassai, où il y a une grande dame, le Kassai Karanga, là où il y a une grande dame, où il y a la mobilisation, il y a les adhésions massives. Et je pense que prochainement, nous allons faire une tournée où je vous inviterai pour voir comment le PPRD s'est dynamisé. Vous allez m'inviter, vous, à tel jeu, vous allez m'inviter comment? Oui, je veux, parce que c'est moi qui va tenir la liste. Ah, il faut pas faire un reportage sur ma personne, il faut faire un reportage sur le travail. Parce que vous, là, même à ta famille, J'ai pas encore fini. Tout ce monde-là, y compris le Christian Malouko qui a un travail des titans. Et aussi, remercier tous les téléspectateurs de Congo Web qui nous suivent en ce moment. Je pense que c'est la première fois que je participe à ton émission. Hein. Merci beaucoup. Vous savez que mon frère Emmanuel Tshibambe, dans la dernière émission, a fait beaucoup de buzz sur une autre chaîne de télévision que je ne voudrais pas citer. Mais je pense que nous allons aborder la question interne de l'UDPS. Ah, et ça vous intéresse autant? Bon, ça nous intéresse puisque l'UDPS, vous savez que moi, je suis un ancien membre de l'UDPS. Okay. Moi qui vous parle, je suis un ancien membre de l'UDPS. Je fus président, vice-premier président de la jeunesse UDPS Massina. Okay. Je suis parti de l'UDPS 3 ans après. Après la prise de vos fonctions ou 3 ans après votre adhésion? Non, 3 ans après mon adhésion. C'est que je me suis adhéré le 24 avril 1990. Au pillage de 93, je suis parti. Quoi? J'avais mes raisons, que je ne vais pas étaler ici. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la guéguerre interne. On va arriver. Emmanuel Tshibambe, on va arriver. Tout le monde qui s'en savait, tout le monde qui Emmanuel Tshibambe, il y a tout le monde qui s'en savait, il y a tout le monde qui s'en savait, il y a Augustin Kabuya, Mwanabute, AK-47. Augustin Kabuya, il y a tout le monde qui s'en savait, il y a tout le monde qui s'en savait, il y a tout le Na PCP ndeko nanga plus Romain Roland Beauté. Na PCP bandeko nyoso bazai kolanda biso na tonga le lomboté à travers la République et puis bao baza di bana ya mboka la diaspora. Pe na PCP ba continuer sa partie nanga mboté en commençant par Augustin Kabuya AK. Ndeko trésor na ligne na informé peut-être éviter. Oyebi na droit isa na bi ndeko plus Romain Roland alors ça la droit Mikolo a ko contrôler na droit. Donc, les gens ont fait allusion à l'arme AK-47. Ok, AK, ce sont les initiales, il y a Augustin Kabuya. Il y a combo mais si vous écoutez, Augustin Kabuya, c'est une personnalité publique. Il y a un peu partout dans le monde, personnalité publique, il y a un combo au Batouba Lingaka. Le Mahatma.
Et ça a un sentiment de la population de PC Combo. Mais PC comme on a Augustin Kabou, ça a initial, comme je l'ai expliqué. Donc il n'y a pas l'heure au baquet. Ami Bambi Combo, il y a PC. Donc il y a un éclairé à Bongo. Donc je pense que. Tu es dans la Kinshasa. 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 Plus Romain Roland, je crois que. On a une dénonciation à Yves Bouya. On peut s'appeler ça une illustration, une image dans la photo. On a une dénonciation à Yves Bouya. Comme quoi le gouverneur a déserté ma bureau. Il a préféré Hilton Hotel. C'était toute la semaine passée, il voulait hausser le top dans le bar. Le gouverneur au comité allait nous tirer le bureau. Hier, le gouverneur est allé visiter le bureau à l'hôtel de ville. Mais dans l'image, il y a plus l'image de ma baie à Bosoto. La toilette à ma baie, le bureau à ma baie, l'installation à ma baie. Mais il y a tout le monde qui lobby, notamment Mike Mukebay, à lobby, Kinshasa a la chance. De Kimbuta, à passer par Ngobila, comme Daniel Bumba, Kinshasa a la chance. Hôtel de Vézana Babatis y a Sika Oyo, sur le côté, et Sika Malamou y a gouverneur Asala Moussala. Mais pourquoi le gouverneur actuel a préféré la Batouba image où il y a ma B, où il y a bâtiment, il y a Kala, où il y a même qui mouta le Mwakakuna, à qui il y a bâtiment, Sika Tangouane Silou. Motou, lorsque ma journée, c'est la zone, mais tout à l'axe Bissoubou. Mais la facture, il y a hôtel et Sika Zali, qui paye ça? Pour la bâtiment, vous avez dit partie à réponse, mais ce n'est pas la réponse dans sa globalité. Lecture, nous allons par rapport. Merci beaucoup, chers confrères. Je pense que nous avons trois grandes provinces qui ont fait preuve de bâtisses d'hôtels de ville. Vous avez le Congo central, qui a construit un beau bâtisse. Vous avez le Haut-Katanga. Et vous avez le Lualaba. Et quand vous regardez tous ces bâtiments du Haut-Katanga, Lualaba, Congo central, Kinshasa n'égale pas, alors que Kinshasa, c'est le miroir. Et le spectacle qu'a offert le nouveau gouverneur, normalement, si nous étions dans un état normal, il devrait rendre le tablier. Pourquoi ? L'autre, il y a déjà une partie de l'hôtel de ville qui a été construite. Une partie de l'hôtel de ville qui a été construite. Sous Kimbuta, bien sûr. Sous Kimbuta, Ngobila a occupé ces bâtiments. Et pourquoi délocaliser l'hôtel de ville pour l'amener dans un grand hôtel? Et la question que vous avez posée, elle est hyper fondamentale. Tantôt, on nous dit le gouverneur n'est pas en mesure de travailler puisque son gouvernement n'est pas investi. Nos routes à Kinshasa sont inexistantes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a l'insécurité, il y a le bruit sonore par-ci par-là, il y a les wewa qui dérangent sur la route, donc il y a une gouvernabilité. Mais il se donne le luxe d'aller prendre une partie, si pas une partie, quelques bureaux à l'hôtel Hilton. La question, vous l'avez posée, qui va payer cet argent? Comment on va libeller la facture de paiement de l'argent à Hilton? Alors que la ville de Kinshasa a ses bâtiments. Bien connu, ce n'est pas que le bâtiment s'est effondré. Non, ce qu'il devrait faire, il a un bureau. L'argent qu'il devrait payer à Hilton, il déverse pour qu'on nous arrange le spectacle que nous sommes en train de voir. Ça serait plus facile. Parce qu'une toilette... Je pense enlever les rouilles qui sont là-bas, enlever la cuve, mettre la peinture, ça ne prendra pas 5 000 $. Mais malheureusement, nous avons les gens qui sont dans une compétition de détournement. Si l'un détourne 5 millions, l'autre dit non, non, c'est peu. Il faut que je tente 15 millions. Quand l'autre détourne 15 millions, l'autre qui entend, non, non, 15 millions, c'est peu, on n'a rien fait. Il faut que je détourne 30 millions. Mais malheureusement, c'est lui qui avait détourné, si c'est détourné, qui avait été jugé à la Cour des comptes pour 5 200 $. 5 200 $. Le DG de Je ne sais pas s'il est en prison ou ce qu'on a fait de lui. Et lui aussi n'est pas
non plus malade, mais les grands détourneurs. Une fois accusé, il devient malade. Alors, le spectacle qu'offre Kinshasa, si nous avions une assemblée provinciale responsable, devrait demander au gouverneur de rendre les comptes immédiatement. Mais vous allez voir... pendant les vacances. Non, attention. Bon, les bureaux fonctionnent. Vous pouvez être pendant les vacances, mais vous interrompez vos vacances à cause d'une urgence. Ça, c'est une urgence financière. Et ils sont au courant. Ils sont en vacances où? Ils sont élus de Kinshasa. Non? Ils sont allés en Europe. Mais ils sont dans les communes. C'est ça leurs communes respectives. Ils sont à Kinshasa. Vous êtes en vacances où? C'est pas comme l'Assemblée nationale où vous avez les élus des différents territoires, 145 territoires, où on se dit pendant les vacances, je peux être à Mweka, je peux être à Lomami, je peux être à Kabinda, je peux être à Sankuru, je peux être à Irémou. Non. Ils sont ici à Kinshasa. Ils sont ici. Ils sont des élus communaux. Ils viennent des différentes communes. Et quelles vacances? On peut interrompre les vacances pour statuer sur le cas d'urgence, beaucoup plus en cette période, lorsqu'on sait qu'on n'a pas l'argent. On doit fêter l'argent dans ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui est prioritaire à Kinshasa? Un, nous n'avons pas de route. Deux, ça c'est très, ça c'est prioritaire. Deux, nous n'avons pas d'eau. Trois, nous n'avons pas d'électricité. Quatre, il y a l'insécurité. Cinq, il y a le désordre de motocyclistes sur les différents artères. Six, les bruits sonores. Voilà les questions sur lesquelles le gouverneur doit s'atteler dans la ville de Kinshasa. Merci. C'est sur ces questions-là. Et l'Assemblée provinciale doit interrompre ses vacances pour interpeller le gouverneur. Il doit justifier. Si cet argent, il a payé de ses propres poches, il faudrait que l'Assemblée provinciale ait un œil regardant qui ne défalque pas dans la caisse de l'État pour se restituer l'argent. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Emmanuel. Six priorités, selon Pius Romain Roland, route, eau, électricité, insécurité, désordre. Nanzela. Ouais, ouais, autre, et puis nuisance sonore, ouyo. Et là, les Sarabis au Congo, tout le monde a moto, c'est un combat en Zambé. Alors, bien, la moto, 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 repou, caravane, c'est là, moto, en moyen, il y a une moto, toi, dans la salaire, d'abord, tu n'as son moto. Est-ce que gouverneur est bon à quitter avant, peut-être, à délocaliser ma bureau, naïe, à ça, l'exercice, à Royeb Sarabis au Bota, l'état, peut-être, un état, puté, ouyo, ngobila, tiki, lingaï, y a un moyen à ça, l'ango, à waté, n'a préféré n'a qu'un hôtel. Mais faut que ça l'abattu, même si Jean-Pierre Ben Mbappé. Azoki ça même ça na bureau te mais ça na ndako na pour na réduire ma dépense il a préféré ça on a bon peut-être Jean-Pierre Bemba oui Jean-Pierre Bemba un héritier il a peut-être assez d'espace pour na ko sala bomba za na héritier te bomba za na dikando et comme simbi simbi est-ce que le gouverneur ne devrait pas comme ça démarche on a avant il a délocaliser ma bureau mais aussi la plus grande question c'est les factures et hôtel nani a ko futa yango le trésor merci na question lelo na outil Koyokandeko, plus Romain Roland, a pesi six priorités, six axes prioritaires, oyo, gouverneur et bongi naye, à s'atteler. C'est bien. Mais parmi Maramus, Oya, Abimissi, les uns blocs, ils ont la compétence, il y a gouverneur à Villa Kinshasa. Plus Romain est bien. N'est pas le reconnaître, et aux amoutés, mamabé. C'est vrai, tout ce qu'il a évoqué, tout ça n'a pas ça écouté ça mais bon on a bénéficié en beaucoup d'abissons mais bleu mon sou tout ça au lac ça monte au chapeau tu vois la compétence n'a été on a maïna électricité on est dans la compétence à gouverneur si quoi ceux qui attendent tu vois qu'ils ont la compétence à gouverneur gouverneur pour ça la moussala malamou il faut aller ici car il y a bien ça n'a mis les mots qu'au salubre sain pour que permettre ça la moussala malamou selon les informations que moi j'ai. Même le bureau au Yolobi à Sikawana, l'installation, c'est difficile. Oh. Je t'ai dit, moi j'ai des amis qui travaillent. Vous les à quoi? Moi j'ai des amis qui ont même été dans le cabinet, il y a le gouverneur sortant, passé. Bon, on a une chance de fréquenter le bureau, mais j'ai des informations, des bonnes sources, des bonnes mains. Par le même le bureau à Sikawana, mais l'installation, c'est vraiment ça laisse à désirer. Selon par rapport au Nganazoaka.
Alors, le gouverneur, il faut ça moussala pour répondre à ma cabouignon sur le problème. Et c'est qu'on dérange la ville à Kinshasa. Mais il doit quand même travailler dans un milieu sain. Il ne doit plus se remettre au lent. Le rôle de gouverneur, c'est la malade moyenne qui répond à sa télé, à sa priorité. Mais il faut dans un milieu normal. À cause de la milieu insalubreté, il ne doit pas le poteau. Tout ça bat tous les roses là, roses là, au travail de dossier, moi, il y a ma casse, ils ont la vie à moka. Tout ça bat tout. Tu peux avoir des perturbations ventrales, ça arrive. Ça n'épargne personne. Surtout, il y a des sessions qui n'ont pas peur de la nuit. Il n'a pas peur de la nuit. Il y a des sessions, on a beau répondre. Donc, Neko, tout le monde a le droit de travailler dans des bureaux normaux, sains, tout ça, sauf le gouverneur. Non, je pense que ça, ce n'est pas normal. Seulement, il est né, ou peut-être, il est né, il lobby, parce qu'il est légaliste. Il est né, il est la famille politique, il faut que le monde ait tout normal. Non, il est né, peut-être, au est né, il est né, il est gouverneur, oui, au délocaliser, c'est normal, il faut délocaliser ce milieu au travail, ça, malade, ça, c'est normal. Mais, il est né, il est né, un trésor public ou bien ça c'est la question est peut-être service à communication je pense que madame Gloria n'a pas besoin de s'abîmer en haut dans les heures qui viennent mais en tout cas délocalisation à bureau et à gouverneur parce que moi que bureau qui est pas prédécesseur des années à santé je pense que pour des raisons de santé le gouverneur Daniel Bumba n'a pas commis un péché de lèse majesté c'est tout à fait normal et ce gâteau là qui n'a eu il va être au plus romain tout ça la cara bon parce que tu en as besoin, mon temps va en place à Malamou. Place à côté de bureau, là, quand on a zolo, t'es. Exactement, à côté de bureau, à Tchaba, à la carte à bureau, il y a mon gâteau, cache né, à Kangazolo, à Kangelongi, au Zomona, au Kangelongi, c'est le cerveau qui travaille. C'est le cerveau. Au moins, on t'a déphasé la question d'utilité publique, et vous, on va y passer, vous pouvez les cabos, ce n'est pas normal, donc, Toboui. Et comment que non, parce que le bureau dans notre travail, c'est qui est mon insalubre, il y a un peu permettant de tenir sur la décision, mon boye. Non, il est allé dans le bureau, je pense qu'il y a hôtel Wana, dans le temps en combo, et ça, hôtel Mongo, il n'y a même pas 2 ans d'existence, donc le bureau est normal. Tous les ce qu'on a en ça là pour que, à répondre, bisous par rapport, il y a problème ou préoccupation, ils ont gangrené ville à Kinshasa. Merci je pense beaucoup. Que ce n'est pas un péché de lèse majesté qu'il a connu. Bonjour, de votre raison, vraiment, hôtel de ville, Batoubazo, Kanga, Batou. Pour na kosa la terrasse eza mawa sinon le lo bandeko wana nyonso mi balé pe perdre abanga abengana yete kala azo meilleur ami idepes to kobosa na ye lokola pe perdre soni oyo ba pesi biso na mawa bango na bango ba komi ko wela ba poste mboka oyo chance kenda wa ndeko une boko mabongo aya monga mo azo kana comprendre sona mitche na place abandeko bazola na biso bazo kana comprendre so comme la nengena yo to ke nimba ngwa fatu sala dossier Kinshasa ndeko plus Romero la likambu ya ba mobondo on dirait to zo neglisa ka likambu so ke za mbuke pe ba conséquences sango za la mabe mobondo de se dire que non seulement ma il doit mais une partie à Kinshasa ko ba ndeko so ba so na maluku ba comme il a problème ya se mouvoir ba comme il a problème sécuritaire même ba ndeko ba sala ka mwa bilanga kuna ba ndeko ba sala ka ni ba comme il a mwa problème mais lelo ba to na ba zongi so na activité. Ça, sinon que la semaine passée, on verra qui va travailler même à poursuivre FABDC, va tout bakou fakir. Lorsqu'on parle de plus de 50 morts, c'est vrai, un grand nombre, c'est un grand nombre, mais il y a eu quelques éléments FABDC, et puis il y a eu civil bakou fakir. Il y a peut-être au début, il y a un an, tout le monde qui va ma chef continuer pour signer l'accord de paix devant le chef de l'État ici, ici. Mais est-ce que nous ne sommes pas à mesure? Il y a quoi éradiquer le phénomène voilà, avec la force militaire en tout si c'est en gros. Parce que tant que na bango na ce mot diplomatique, on dirait, moi, synthétiser entre bango et chef coutumier. Mais qu'on vende à la bango, va surgir après chaque temps, ils ont des défaillances à l'État ou encore, ils ont créé un problème dans le à l'État. Merci, merci beaucoup, cher confrère. Je voulais un peu compléter mon ami Emmanuel par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa. C'est vrai. C'est vrai, il y a des compétences dévolues au gouvernement central et puis à la ville. Et à la ville. Mais vous êtes sans ignorer que Kinshasa n'a pas le même statut que les autres provinces. Kinshasa n'a pas le même statut. Et puis Kinshasa, c'est des miroirs.
c'est le miroir de la République qui reflète. Si on insulte, si on dit que la République démocratique du Congo est sale, ce n'est pas toute la République démocratique du Congo. Parce que vous ne pouvez pas comparer la ville de Goma, ni la ville de Likasi, ni certaines villes, comparativement à Kinshasa. Kinshasa, c'est une poubelle. Donc, le gouverneur est interpellé. Par rapport à la délocalisation de bureaux, où vous dites qu'il doit travailler dans les milieux sains, c'est tout à fait normal. Ça, je suis tout à fait d'accord, il doit travailler dans les milieux sains. Est-ce qu'une toilette de son bureau peut l'empêcher de travailler? Si, c'est ça. Une toilette. Oui. Attends. La toilette, c'est-à-dire cette toilette, elle est utilisée par lui-même. Pas par les agents. Donc, il est difficile qu'une toilette utilisée par une seule personne puisse se remplir même dans 10 ans. Une toilette utilisée par une seule personne. Non, je reviens. Il a tué de convivre. Oui, c'est juste pour dire, il faut voir ce qui est prioritaire. Moi, vous ne pouvez pas me dire, je donne mon cas. Je suis locataire. Je suis arrivé dans ma parcelle. J'ai trouvé que tout était bouché. Tout était bouché. J'ai débouché en un seul jour. Un seul jour. Mais c'est l'utilisation de domicile, la parcelle. Ouais, ça, c'est même utilisation. Mais ici, il y a un service de fosse sceptique. Pour dégager la matière fécale, ça va prendre combien de temps? Et il y a des matériels. Ici, je parle, moi, je le fais à main nue. Je le fais à main nue, moi seul. J'ai débouché les caniveaux, j'ai acheté le ciment. Je n'ai pas ces problèmes. Ça fait plus de 3 ans aujourd'hui. Mais ici, vous avez les services faux sceptiques. C'est-à-dire, si on prend 3-4 véhicules, on met là-bas pour vider les faux sceptiques, ça va me prendre combien de temps? Pas même une journée. C'est-à-dire, l'argument que vous donnez, ça ne tient pas debout. Ce sont les gens qui veulent le luxe. Il y a le moyen mis à leur disposition. Ce sont les gens qui... Ils veulent tout simplement s'attirer le regard des gens. Mais pour moi qui suis travailleur, dans les conditions comme ça, je prends 3-4 véhicules, je mets là. Pour un véhicule, je pense, c'est $100 pour vider la matière. Et alors même 75 euros. Est-ce que je peux manquer $500 en un seul jour pour vider les faux sceptiques qui sont là-bas? Est-ce que pour remplacer les cuves, pour mettre la peinture, moi je mets la peinture dans ma maison personnellement, moi plus. Je n'appelle pas un peintre, je le fais personnellement. Et je le fais il y a 2 semaines. Je renouvelle la peinture chez moi chaque 3 mois. C'est qu'en un seul jour, j'ai mis la peinture dans 3 chambres. En un seul jour. Et à plus forte raison, vous avez toute une équipe. Vous avez le moyen financier. Et vous allez mettre 1 mois, 2 mois, ou même 2 semaines. Vous savez, pour un bureau dans un hôtel, de luxe comme ça, ça te prend combien? Si vous le calculez, pour 2 semaines, c'est cet argent qui pouvait arranger. C'est-à-dire, ce sont les gens qui n'ont pas une vision managériale. Ils n'ont pas une vision de rendre les milieux propices. Il veut tout simplement s'attirer, peut-être il avait un rêve, un jour il faut que je dorme à Hilton, il faut que je dorme à HJK, Non. Lorsque vous êtes responsable d'une institution, vous devrez rendre compte à la population, tout ce que vous devrez faire doit être objet d'un regard fixé et accepter les critiques. Et il faut rendre compte, c'est l'argent des contribuables. Vous n'avez pas à vous justifier. Le mécanisme que je vous ai donné là, ce sont les mécanismes très simples. Mobondo. Alors, quand j'arrive à Mobondo, c'est de ça que j'ai parlé, de l'insécurité. C'est à la porte de Kinshasa. Je pense que c'était hier, j'étais avec Félix Kayembe. Je lui ai dit, les conflits que nous avons au Congo, c'est souvent les conflits des terres. C'est souvent les conflits des terres entre deux communautés, ou soit c'est le conflit successoral entre les familles régnantes. Et les politiques viennent s'y mêler. Comment les politiques viennent s'y mêler? Je donne le cas de mon ami Emmanuel Tshibambe. Il est de la famille Chefal. N'est-ce pas? C'est cette famille qui règne chez lui dans le Lomami.
C'est dans cette famille qui règne. Mais il y a un kudam politique qui vient, puisque je n'aime pas la famille d'Emmanuel Tshibambe, je vais aller chercher une autre famille pour venir avec un arrêté ministériel. Il vient régner sur ce peuple-là. Ça crée un conflit. Et c'est un conflit générationnel. Ça ne va pas se terminer puisque vous les avez ravis leur pouvoir, leur autorité. N'est-ce pas? Et il y a le conflit des terres. C'est-à-dire, il y a un groupe de gens qui vont aller s'accaparer des terres des autres. Et les autres estiment être impuissants devant ces ravissements. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent entrer en collision. Ils se battent. Conflit des terres. Vous quittez votre terre, vous allez ailleurs, vous ravissez les autres terres, soit vous mettez le pâturage, soit vous y construisez, alors que vous n'êtes pas propriétaire de ces terres. Mmh. Et aussi les politiques, notamment les acteurs politiques, comme je vous ai dit. Alors maintenant, qu'est-ce que doit faire le gouvernement? Mmh. Je ne parle pas que de Mobondo, je parle de la situation. Vas-y, on va donner la parole à Emmanuel. Que ce soit le Mobondo, vous avez dit... Récemment, il y avait eu les calumets de la paix. Ils ont fumé les calumets de la paix, ils ont signé les... Mais ceux qui ont signé, est-ce que ce sont ceux-là qui sont acteurs principaux dans le conflit, oui ou non? Ou on a pris tout simplement de l'ombre, on a mis là-bas? Il faut chercher, fouiner. Qui sont les véritables acteurs dans le conflit? Vous avez le conflit des Yumbi. Vous savez ce qui s'était passé à Yumbi? Comment on a éradiqué ce conflit-là? Qui sont les véritables acteurs de ce conflit? L'État congolais ne peut pas être clément vis-à-vis des gens qui mettent la paix ou qui troublent la paix des gens. L'État congolais ne peut pas. La police ne peut pas. Ce sont ces gens qui doivent rendre compte justement à la justice. Parce que chaque fois quand vous avez des récurrents conflits, ce sont les morts d'hommes. On en a compté combien? On en a compté combien? Le week-end, c'est pratiquement 50. Donc 50 familles sont parties comme ça. Et dans le rang des forces armées de la République démocratique du Congo, que ce soit une personne, que ce soit deux, c'est une perte énorme. Pourquoi? À cause de la barbarie des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Donc l'État, et a le pouvoir régalien, doit s'imposer pour mettre fin une fois pour toutes, pas cajoler les gens. Oh non, c'est une famille régnante. Non, faut pas les cajoler, il faut mettre fin à cette situation. Parce que ça met mal à l'aise l'État. Merci beaucoup. Faut que nous pas de question. Il dépèse. Bonjour de votre raison. Vraiment, tu vas me justifier cette bêtise de Daniel Bumba. Ngobila a travaillé où? Pourquoi on gaspille l'argent de l'État jusqu'à ce niveau? Vraiment, notre pays n'a pas de chance. Ah, parce que nous avons chance. Emmanuel Tshibambe, même que ce n'est pas un homme, mais qu'il y a un homme qui a un homme. Il dépèse. Moi, mon kepe tout ça, moi, l'issue de ma cambouya. Il y a IGF. Selon Puce Romain, l'État a eu un climat envers Batou Oyo. À la base, il y a un liwa, il y a un déco. Par exemple, le week-end, il y a un peu de temps. Il faut que ça dure dans Batouana. Batouana, il faut que je me rende justice. Mais pendant ce temps, les gens ont une lecture. Il y a un peu de traquer Bango Makasi. Comme je vais comprendre le vrai problème pour bon ça une fois pour toutes. Lecture dans ça. Bon, moi, je suis d'avis. Il y a l'État. Et bon, il y a un clément vis-à-vis à bateau, basaï, qu'on supprime la vie à ma compatriote. Ça aussi, c'est mon avis. Mais dans le cas actuel, il faut tout comprendre, Mme Ndenge et Banaï Kolekila. Il y a eu deux ethnies, je crois, non, c'est ça? Yakana. Yakana Nini Soussou. Teke. Na Teke. Banaï Kobunda. L'État a protégé ethnie mon côté. Azan a devoir de protéger tout le monde. Bangon so baza bananae. A quoi j'ai mon lobaïté, n'a pas par Oyo au détriment à Oum Soussou. Non. Alors, étant papa, qu'est-ce que l'État a fait? L'État a joué sur la sagesse. A l'ouki quoi, a plané ma divergence par la sagesse. A ben ici, bami, balo, bazéro, bon, 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 teke, n'a pas de danso, bayaka, boya. Baye. À tous les bango et leur nous avons cela qui est boyo kanate bango pe ba pcp ba argumentaire na bango par rapport il y a
pomme de discordance entre Bango Mibale. L'État, à Salinini, a conseillé Bango à remettre chacun la place naé, Koloba été. Prochainement, nous devons éviter les Kamboyo pour que lobby, ba bêtise ou ezon a te po, ba tout ba koufate. L'État fait son travail. Et l'État a. Je voudrais ici vous dire que tant que Mgambo et Bandaki, n'ayez bien au moins manqué parce que j'ai fait deux fois. Le VPM cardinal Azalagite a évité Ngaï Tokoma deux fois. À l'époque, moi j'étais avec le VPM Daniel Asselin au ministère intérieur. Tokoma te yumbite nani niawa. Eh, Tokena y place Babitumba, place Tokena Tokutana Batu, on appelle. Kwamut plutôt. Kwamut. Kwamut. Tokena y a eu bien deux fois. Une fois, deux fois. Donc, VPM, à travers ma instruction au Mokonza Mboka Pesaki, a kenda ka foutena batouana, a solé n'en bang. Mais il y a ce qu'il fallait que ça, il y a ce qu'il fallait que, peut-être, on déplorait ça que, tant que chef de l'État a yambagi batouana, a solé n'en bang, a planifié ma divergence n'en bang, il fallait ce qu'on ait le ministère sectoriel. N'a pas accusé Moutouté, parce qu'il y a des faits, voilà, il y a des faits, oh, lolo, tout le monde a recrudescence, c'est Magambouana. Donc ça veut dire que suivi est le message moi, Mouki. Mais plus romain se révèle, comme Mourabi, beaucoup à la Boyambi, bah, mais Boyambi, pas les acteurs principaux, parce que les acteurs principaux, bah, toi, aussi ma machette, et ça va t'attendre, tout le monde, et ça va gêne. Ezali, ici, je peux vous dire, je peux vous certifier, au chef de l'État, ce sont les acteurs principaux. Ok. Bah, Konzi, il y a les deux parties, on a au Bayamé, au Mundakuna, na Nyoki, na Kouamout. Vraiment, Bango, plein ma tête de fil. Peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, je pense que mon enquête est salama. Peut-être que Bakondi ou un peu bon, comme ça qui fait un message bien que dans Batouna, peut-être ça peut aussi être l'une des raisons. Pour comment on a été, il n'y a pas une année, tout le monde a dit que Bakondi a accordé Bango audience dans la cité où il y a à Solina Bango et puis Bango a pessié l'assurance devant Bakounio Sotu et Mboka, l'officier Sotu et Mboka. Donc, le lot au Loba été, quant à moi, sûrement, ils ont la tête de fil ou la tête d'affiche ou bango peut-être que ba comme un message bien té na ba sous lieutenant na lieutenant na ba sous lieutenant na pour que l'autre monde qu'on vive recrudescence. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi je demanderai au nouveau VPM de l'intérieur, maître Jacquemin Chabane, de pouvoir y voir encore cette situation de près s'il faut encore qu'on répartir na ba nouvelle discussion parce que bango nous sommes basali bana mboka et là obiso to limite. Et puis voilà, Bandeko, ils sont obligés de revivre ensemble jusqu'à la fin du monde. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le journaliste. Moi, c'est Saint Djaba. Ndeko, et mon centre Djaba. Mboka, tout ça, un problème, il y a leadership. Le peuple doit se prendre à charge. Ah, merci, Ndeko. Leadership, la charge. Quand ils vont se prendre à charge, il faut qu'il y ait un leader. Au moins, il y a un leader. Ils ont un leader. Docteur John, il y a un leader. Il y a un leader. Il y a un leader. Plus Romain Roland, il y a un leader. Il y a 3 ans. Yo bon, yo parti, yo parti, yo balate, yo parti, boye, yo parti, kamoumbele, yo parti, nino, yo. Il dépense quelques minutes avant de recevoir la bacambo. Il faut tout ça, ça ne prend pas beaucoup de temps. Prends 3 minutes, et malheur va prendre 3 minutes. Vous avez fait 3 ans, il dépense. Mais aujourd'hui, crise, oh yo le bien, aux autres langues, dernier observateur, aux autres reprochés, est-ce qu'on a reproché au Gustave Kabouya, maître Katine, déjà Claude Katine dans le bag lobby? Ça n'a rien à voir. Des problèmes d'aménagement à partir, ça n'a rien à voir des problèmes, il y a bien-être à partir pour l'avenir, mais c'est plutôt entre toi de là que je m'y mette. Kabouya l'étro à comprendre que Banama il fait pas il y a éteint, il y a katata éteint. Bon, effectivement, moi je suis un ancien membre de l'UDPS. Donc, tu as joué que vous captez. Puisque lorsque en 1990, il y a eu la démocratisation, j'étais dans mes 18 ans okay. d'âge. 18, 19 ans, j'étais déjà en premier gradué, ici à l'Académie des Beaux-Arts, sur 24. Et avec cette euphorie de la jeunesse, et au-delà du MPR qui était considéré comme un parti dictatorial, et tout le monde trouvait l'aubaine au sein de l'UDPS. Okay. Et de l'UDPS, il y a certains partis qui sont nés Front commun, des nationalistes avec Gérard Kamanda, il y a eu Léli Iléo, Songoamba, il y a eu le Mwando Simba,
Il y a les Léon Kengwandondo avec UDI qui ont créé des partis politiques. Il y a les Mongoloudiaka qui ont créé des partis. Les Jean Dédé Ngouzouka qui ont créé des partis politiques. En fait, ce qui se passe au sein de l'UDPS, en réalité, l'UDPS a perdu l'âme démocratique et l'âme de l'unité. Okay. C'est ça ce qui a fondé l'UDPS. Prenons l'âme démocratique. L'union pour la démocratie et le progrès social. Vous comprenez les initiales. C'est que l'union, l'ensemble, c'est dans cet ensemble on doit avoir la tolérance. On doit avoir la transparence qui est la démocratie. Pourquoi ? Pour aller vers le progrès, l'émergence. L'émergence dans quel secteur ? Dans les secteurs sociaux qui touchent la population. Mais malheureusement, l'UDPS a perdu ses boussoles. L'UDPS s'est évertué dans l'intolérance. Je ne dis pas tous les membres de l'UDPS. Puisque je suis avec Emmanuel Tshibonde, il ne m'a jamais manqué du respect. Ni vous, on ne l'a jamais vu dans la barbarie. Mais il y a les gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est l'UDPS. Qui sont venus avec l'esprit tribal, l'esprit de la condescendance. C'est-à-dire, c'est nous. C'est notre parti. Nous avons souffert. Il y a des gens qui ont 24 ans ou 23 ans, mais il te dit... Nous avons souffert pendant 37 ans. Mais il a 24 ans. Non, mais il a l'âme du parti. Non. Il faut demander pendant les temps que tu as été à l'UDPS. Même les 23 ans d'âge. Ce ne sont pas les 23 ans d'âge au sein de l'UDPS. Oui, qu'il est devenu oui, il faut maintenant pour demander pendant tes 8 années au sein de l'UDPS, qu'est-ce que vous avez apporté? C'est ça la question. La question, ce n'est pas autour de l'âge de l'UDPS. Né en 82, nous avons souffert pendant 1982. Non, Emmanuel Tshibonde a 26 ans. Il a été à l'UDPS dans ses 20 ans. Pendant les 6 ans, qu'est-ce qu'il a amené à l'UDPS? Voilà les questions pour lesquelles on doit se poser par rapport à tous les fauteurs de troubles au sein de l'UDPS. Ce que moi je sais, c'est que une minute. L'UDPS a été géré par collégialité. Quatre cofondateurs. Mbouakiem, Tshisekedi, Liaou et Kibas. Et la présidence était autour de rôle. Et ces quatre personnalités représentaient les quatre langues linguistiques. Et le Congo central se voyait un peu marginalisé dans ce quator ici. C'est comme ça qu'on avait donné le secrétariat général au Congo central. Pour preuve, vous avez eu le docteur Adrien Pongo. Tu comprends? Et par après, il y a eu léthargie au sein de l'UDPS. Il y a eu la maladie du sphinx. N'est-ce pas? Okay. Et il y a eu positionnement. El Belchika, El Bruno Mavungu, El Tel, il y a eu positionnement. Il fallait mettre fin à cette hémorragie. On a mis fin à cette hémorragie, peut-être si je me trompe, Emmanuel Tshibonde va me compléter. Avec 30 secondes qui avec la nomination de Jean-Marc Abonde comme secrétaire général. Il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, il a été remplacé par Augustin Kabuya. Et il y a eu un congrès qui avait été tenu au centre Nganda. Oui. Centre Ngandayala. Ngandayala. Il y a eu un congrès. En 2023, oui, je pense, en 2023, il y a eu un congrès. Et il y a eu des résolutions au sein de ces congrès. Et l'article 19 du statut a conféré à Augustin Kabuya comme secrétaire général pendant 5 ans. Alors, si je prends les calculs, c'est-à-dire 2023, août 2023, ça sera août 2028, la fin de mandat d'Augustin Kabuya. Et pourtant, nous sommes encore qu'au mois de juillet 2024. Donc, il a encore ses 3 ans. Mais, regardez lorsque je vous ai parlé, qu'il y a des gens qui viennent au sein de l'UDPS qui ne savent pas pourquoi ils sont au sein de l'UDPS. S'ils se disent démocrates, moi ne me cite pas puisque je n'ai pas peur. Il y a M. 9 millions qui a été à la santé avec un problème de Covid, qui a été arrêté en prison.
dont les Congolais souffrent encore de cet argent. Si tu veux que j'aille sur cet angle. Laissez-moi, puisque vous m'avez invité, pour vous donner la matière en tant que professeur d'enseignement gratuit. Kabuya est dans son mandat. Si j'ai commencé à peindre l'UDPS de par l'union pour la démocratie, c'est-à-dire il y a la tolérance, il y a le respect des textes. Un démocrate, c'est celui qui respecte les textes. Maintenant, vous êtes au sein de l'UDPS. Vous vous dites, vous êtes membre de l'UDPS. Vous ne comprenez pas ce que veut dire démocratie. Et vous dites, le peuple d'abord, état des droits. Or, l'ensemble de tous ces concepts, c'est le respect des textes. Or, vous avez quelqu'un qui a été élu pour 5 ans pour diriger l'UDPS. Alors, si vous vous sentez frustré, il faut appeler ce qu'on appelle le dialogue inter-UDPSien au sein de l'UDPS. Qui va convoquer cela? C'est le patron de l'UDPS. Qui est le patron de l'UDPS? Secrétaire général. Oui, c'est lui le secrétaire général. Il appelle. Mais comment il va être juge et parti? Non, si on se dit, il est l'auteur de ces conflits. Non. Le texte lui confère. Il convoque, on met un comité de crise, des sages. Il y a les sages. Non. Il y a les sages qui sont là-bas pour départager les deux camps. Vous, qu'est-ce que vous cherchez contre Augustin Kabuya? Il a beaucoup mangé, les joues ont gonflé, il faut qu'il nous donne. Est-ce que pour ça, il faut se battre au sein de l'UDPS? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel Chibaré. Bonjour, plateau de vérité. Moi, c'est Hérité. Je félicite votre émission. La message de Bande de Côte, bien sûr, la Tangi Ango. Moi, pas si. Donnez-moi même 5. Non. Pour que je communique. Ok. Merci, Bande de Côte. La message de Bande de Côte. Emmanuel Chibaré, Oyoki, plus Romero, là. À peine tableau. Et puis à Souki à Lobby, vous avez un problème à l'IDPS aujourd'hui, ils allaient binomoko, besoin qu'on va respecter mon bel côté. Ils vous accusent quelque part. Mon bel côté Lobby et puis si bin 5 ans à pouvoir nyonso muto azui l'émanation à population, il y a base to benga ngonde wana. Mais besoin qu'on kate pour naï, ils vous proposent de créer un dialogue ou de convoquer un dialogue inter IDPS. Et on sent les manengeni aussi longtemps au Kize Kabuya aza mis sur les bandes accusées. Non, au moni plus romain n'a brossé situation. Donc je suis même étonné au moment que même Moutaza Libanda y a parti d'Abisso a yébi makam kole quand même na Moutaza na katinet Moutoza docteur était ni le vétérinaire. Non, s'il vous plaît. Non, il faut pas dire le vétérinaire. Non, c'est pas un vétérinaire. Na yébi kole kao. C'est pas un vétérinaire. Attends, je vous comprends. Vous prenez la médecine vétérinaire comment? Non, mais c'est pas vétérinaire. Non, attends. Vous prenez la médecine vétérinaire comment? Que c'est une médecine thérapeutique? Non, je n'ai pas dit ça. Mais un vétérinaire. Est-ce qu'un pédiatre, un gynécologue ou un vétérinaire, ils ne sont pas médecins? Neko Trésor. Ce sont les spécialistes. Neko Trésor. Et l'eau est très important. Les loyo, tant que le congrès est extraordinaire, le 26 août 2023, dans Gandayala. Congrès wana na lobarango plusieurs fois et bien ça qui trois résolutions. C'est très important. Résolution liboso biso to imagine to parti na soyi de pèse to portail de Tshisekedi de Félix Antoine comme candidat président na biso. Deuxième résolution to commissaire de Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme haute autorité de référence à parti na biso. Troisième et dernière résolution, il y avait pas quatre, il y avait que trois. Biso to renouveler CG Augustin Kabuya, qui puisse au moins parler tout le monde, comme certain général, chef du parti, qui engage le parti vis-à-vis de tiers. Ça veut dire que, actuellement, le rôle de la présidente de la partie n'est pas empêché. Le secrétaire général, d'office, il assume l'intérim, il y a président AI. S'il y a un problème aujourd'hui, il y a des PS au Congrès ou quoi que ce soit, comme l'a dit notre article, l'article 19, c'est le président du parti qui convoque le congrès. Ce n'est pas quelqu'un, tu as été au ministère de la Santé, tu as volé l'argent au Yogangi congrès. Non, ce n'est pas comme ça. Et puis, cher ami, CDP, je voudrais un peu expliquer aux gens. À l'époque, la convention démocratique, moi je suis membre de la 9e composante, il y a CDP, convention démocratique du parti. Mais à l'heure actuelle, je ne peux pas demander un congrès. Tu sais pourquoi? Bureau, la CDP, on a la convention démocratique de l'époque,
Et ça qui est constitué dans 11 provinces. Pour le bureau, on a fonctionné depuis la 6 Yanganda Yala. Il faut que vous m'en avez 26. Voilà, il faut que vous m'en avez 26 délégués. Non, non. Chaque province va payer sa 5. Non, 5 membres. Donc, tout le monde a 55 membres. Tu as commis dans 130 membres parce que tu as 26 provinces. Donc, le coup, on a nous. Bureau, le quand on te composer les 5 personnalités dans 26 provinces, non, bah, représentant nous soutenir dans ma composante, nous sous. Aujourd'hui, aucun membre, j'ai dit ici, je regarde la caméra, aujourd'hui, aucun membre, il y a CDP, il y a Convention démocratique du parti, à quoi qu'on se prévaloir le droit, on a été, on a convoqué tel congrès, ou bien on a convoqué ici, ainsi de suite. Non. Pourquoi il ne peut pas? Parce que, dans nos bureaux, ils ont constitué dans une nouvelle configuration. Parce que depuis la 6 Yanganda Yala, et Longoli, comme nous sommes tous, tout ça, qui sont tous, ils sont tous les ici, les cas, les cas. Mais votre trésor, les lots Oyoyo, dans tout le monde, les lots Oyoyo, il faut comprendre. Donc, pour nous, comme ma place, on a, ok, membre CDP va convoquer, nani, tout ça, c'est parce que, dans 26 provinces, il faut que chaque 5 personnes dans chaque province va composer les 130 noms. C'est quoi? Et ça m'était pourquoi? Et ça m'était parce que tu as eu moins retard parce que tout est dans ma ponami. Il fallait que ma gambouille soit ici, là, présidence de la République, Sénat, Assemblée nationale. Les lots, ceux qui ont retardé, moi, Mouké, c'est parce que le bureau à Sénat nous a installé. T'es Moukou, le bureau à Sénat nous a installé. Au moment de la nouvelle mise en place au secrétaire général, président AI a parti. Contesté. Contesté par qui? Par certains membres. Ma membre a quelle qualité? C'est la qualité qui pose problème. Merci à beaucoup. Quelle qualité? Merci Soki, beaucoup. Donc, il y a eu ça. Ah, on a besoin d'aller de peste. Tous et la nouvelle mise en place. Ok. Tous et les hangos. Oyo, on m'a chargé à combien? N'a évité. Merci de voir Yobi déjà. N'a pas évité son encombre, mais n'a évité. Tous et la nouvelle mise en place. Oyo, Kobima. Là-bas, autorité partie à Kobimi. Ça. Ce qui est émis, c'est en ce moment-là, si on est bureau à CDP et qu'on va fonctionner. À l'heure actuelle, que personne ne vous trompe. Merci. Bureau à CDP, ils allaient à fond. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'ils ont incomplète. Ils ont incomplet. Il faut que toutes les 26 provinces passent à 5 membres dans le et puis, dans ma composante, nous sommes formés bureau à CDP. Merci beaucoup, Emmanuel Tshibambe. De son nom, André Etienne Ilongondo. Né le 1er janvier 1965 à Kinshasa, il fait ses études supérieures à l'université de Kinshasa. Swaziland. Non, si vous parlez de Kinshasa, où il étudie la médecine générale. Il après avoir fini. Obtenu son diplôme, il devient médecin de l'équipe de la RDC de football. Puis il part au Swaziland pour devenir médecin généraliste. Papa, s'il vous plaît. Bonjour, Kala Faye.